L'actrice Nora Hamzaoui s'oppose à la sortie en salle de CE2, le dernier film de Jacques Doyon, programmé pour le 27 mars prochain, dont elle tient l'un des rôles principaux, après la mise en cause du cinéaste pour des violences sexuelles par plusieurs actrices, dont Judith Godrèche. Elle s'est exprimée dans une story Instagram en expliquant avant tout que le tournage de ce film a eu lieu il y a 4 ans et qu'elle ne soutient pas la décision de maintenir la sortie de ce film, qui d'après elle, représente un mépris vis-à-vis de la parole des femmes. Elle a également ajouté que ce qu'il se passe dans le milieu du cinéma est essentiel et important et qu'il s'agit de la chose à soutenir en priorité aujourd'hui. Jacques Doyon est visé par une enquête pour viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité à la suite d'une plainte de Judith Godrèche qui a tourné avec lui pour le film La fille de 15 ans sorti en 1989. Et ce n'est pas la seule puisque deux autres actrices l'accusent de faits similaires. Anna Mouglalis l'accuse d'un baiser non consenti et Isilde Lebesco rapporte des violences psychologiques et psychiques.